Bon, maintenant j'ai compris, je vais gagner. Il veut pas sélectionner le pion en plus. Bon, ça, ça se fait. Ah oui, je vois, monsieur joue plus malin. Ça y est, ça commence. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Mais il veut pas. Mais au secours! Mais c'est qu'il joue bien en plus. Je me suis rarement autant concentré. Tout ça pour échouer. Oui, mais dès qu'il y a un endroit comme ça, c'est foutu. Il va plus jamais en bouger, en fait. Il va faire des... Ben voilà, il fait des allers-retours. Et on est perdu dans une boucle temporelle infinissable. En fait, ce jeu, tu ne peux pas gagner parce que forcément... Il y a une ouverture. Je peux la voir. Ah, c'est reparti. La boucle. On va jouer des choses absolument absurdes. Peut-être que ça va le faire réagir. Ah! Je l'avais pas vu venir celle-là, j'avoue. Oh non, mais là, au secours, sauvez-moi, sauvez-les, sauvez-nous. Ah! On va rentrer dans le cycle. Je vais à droite, tu vas à gauche. Je vais à gauche, tu vas à droite. Voilà, c'est bien ça. Est-ce que... Qui va craquer en premier? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Qui a codé l'IA? Au secours! Bon, admettons, je fais ça. Super! Attends, mais c'est des coups prédéfinis. Quand tu bouges un pion, il bouge automatiquement un autre. Oui!
Vous avez battu votre adversaire? Ah bon? J'ai rien compris, mais j'ai gagné. Je suis content. Wow, ça fait plaisir d'avoir une récompense quand on s'est concentré à ce point. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qui se passe dans les troupes? Un vaillant vlandais. Je prends. Oui. Oui, je voulais regarder ça rapidement. On a 175, il faut être à 350 pour passer de niveau de clan. Très bien. Quelle heure il est? 22h. Ça laisse un peu de temps. Je voulais m'enrichir pour acheter des bâtiments. Ça fait des rentrées d'argent. Alors, soyons malins. On va aller voir les colonies. Attendez, je fais une disparition ninja, on y verra mieux. Voilà. Donc on va aller voir les colonies, les villes de culture batanienne. On est où? On est à Séonon. Qu'est-ce qu'il y a à Séonon? Les villages qui en dépendent, minerais de fer, très bien. Bois dur, oh, lin et poney. Ah. Alors ce qui est intéressant, et je ne sais pas si le raisonnement vaut le coup, hein, mais dans une ville où... Enfin, qui gère des fiefs, on va dire, où il y a du fer et du bois dur, c'est le bon endroit pour acheter une forge, n'est-ce pas? Donc lui, il est propriétaire d'un atelier de tissage de lin et d'une forge. Très bien. Ébénisterie. Donc, on va acheter sa forge. Bonjour, tu vends ta forge? Boum, 13 000, allez, vendu. Du coup, paf! Dans autre, là, on a une forge qui va nous rapporter de l'argent, mais pour l'instant, rien du tout, faut que le temps passe. Par contre, une légende urbaine veut que... Si on a un atelier qui... Qu'est-ce que je fais? Si on a un atelier qui nécessite du bois et du minerai, donc la ville va être en demande, mais j'ai jamais vraiment vérifié si c'était des bruits de couloir ou si ça tenait la route. Alors vérifions. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se vend dans le coin? Non. Mais rien. Rien ne se vend. Et évidemment, je n'ai ni bois ni minerai pour vérifier la théorie. Bravo! C'est pas grave. On fera ça tout à l'heure. Ok. Qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Je sais plus. Ça y est, je ne sais plus. Oui! Chasser des stagiaires. Pardon, recruter des stagiaires. Bon, bah, il y en a 9, là, c'est pas beaucoup, mais... Peut-être qu'ils vont nous... Ah! Ah bon? Ah, 99 contre 9. J'ai pillé 15 dolls. Allez, un stagiaire de plus. Et par contre, mais il n'y a pas de groupe plus important que 4 stagiaires qui se baladent dans la nature. Très bien. Les stagiaires intelligents qui se rendent à mes arguments. Il n'y avait pas une quête de formation là? Pourquoi j'en ai 0 sur 6? Ils sont tous morts? Troupe d'emprunt 1. Bon, je sais pas ce qui se passe avec cette quête. Un repère. Peut-être que c'est une mission donnée à Marunat. Hop là, boum. Ah non. Oh, il faut payer un peu de vin pour aller au donjon. Scandaleux. On va se faire le repère gratos alors. Ouh, peut-être que c'est eux qui envoient la mission. Les animaux de trait, l'aide avec les brigands, je prends, ça va faire du recrutement. 3 bandes, ça va. Est-ce que je suis bien équipé? Oui, non. Oui, on prend l'épée, allez, c'est très bien. Non, les animaux de trait, ça commence à aller. Allez, un petit repère pour se chauffer l'épée.
Pourquoi il y a un point d'exclamation? Ah oui, c'est parce que c'est l'autre qui veut que je crée mon empire. Ouais, bah, patience pour l'instant. C'est pas gagné. Ah, let's go. Allez! C'est le retour de l'éclaireur dingo. Il n'y a personne, non? Oui. Doum, 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 doum. Magnifique. Parfait. Jusqu'ici, l'efficacité est totale. Oh, je me fais attaquer sur le côté. Ah oui, d'accord, les pleutres. Mais... Oh, 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 oh. Bien heureusement que mon perso ne peut pas mourir, hein, j'ai envie de dire. C'est un échec. On reviendra un autre soir. Ah oui, chasser les bandits pour eux, là. Ils sont où, du coup? Ils vont être dans le coin. J'ai des troupes qui ont pris de l'expérience quand même. C'est un peu vexant de se dire qu'on s'est fait ouvrir la face et que... Ah, les voilà. Oula, ça court vite. Attendez-moi, j'ai une proposition d'embauche. Vous allez voir. Ah bah oui, je suis trop... voilà, envoyer des troupes, recruter à ma place. Hein, ça recrute pas des masses. Hein. Combien on en a maintenant de stagiaires? 13, mais c'est rien du tout. Hop là! Ah! 24 stagiaires potentiels. Ça, c'est bien, ça. Tac. Pouf. J'ai bien mon... Non, je veux recruter. Voilà, un argument massu. Pardon. Oui! Mais non, mais en fait, tout le monde, faites ce que vous voulez. Moi, je vais en mission de recrutement. Voilà. Coucou. C'est qui? Coucou. Il est où le recruteur? Il vient caché, hein? Oh, mais ça commence. Ah oui, ça tape rien du tout. Yo-ha-ha! Bah oui, mais tu vas te calmer, mon petit loup. Allez, au moins un. Mais laissez-moi recruter en paix! Mais non, mais pas comme ça, la massue! Alors, essayez de les recruter volontairement, hein, comme moi. Ah, non, pas comme ça. Là, je vous montre, comme ça, là. Hop là. Ah, attendez, 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 attendez. Celui-là, il... Non, mais non. C'est pas du bon recrutage, ça. Ah bon, j'ai eu un mort, quand même. Une troupe d'emprunt. Oh, ben, j'arriverai jamais à finir la mission, hein. Alors on est à combien là de volontaires? 20. Commence à être mieux. Lancier ou infanterie? Infanterie. Renvoyer les troupes. Parfait. Ah bah si, la mission était finie finalement.
Très bien. Et du coup, on n'est plus que 42. Oui, mais c'est très bien, 42. Ah, des pillards. Mince. Le misclic. Boum, abandonné. Oh. Voilà, 23 normalement. 23 stagiaires qu'on va pouvoir aller négocier sur le marché du travail à côté de Céonon. C'était où? C'était à la mine de fer. Hop là! Très bien, on cultive nos relations, ce qui permet de mieux recruter normalement. Ça craque. C'était quoi eux déjà? L'art du commerce. Oui, je vous écoute. J'achète. Qu'est-ce que j'ai acheté? Du lin brut, voilà, ça doit être ça. Et lui, il veut quoi? Les brigands. Bah oui, bien sûr, mon petit loup. Mais avant, allons faire de la place dans le service des ressources humaines, n'est-ce pas? Hop là! Les travailleurs, bonjour, combien vous en voulez? 13! Ah, on va partager les bénéfices, ne vous en faites pas. Alors, comme d'habitude, la promotion, du coup, ça sera 22 à la 13e. Ça ne veut rien dire. Encore? Ah oui, non, mais des chevals, toujours des chevals. Ah, vaillant vlandais, très bien. Oui. 550. C'était pas des stagiaires de bonne qualité, je trouve. Oui, trois groupes de brigands. Ah, pourquoi il n'y a personne dans le coin? Il veut que j'élimine des brigands, il n'y a pas de brigands. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Oh. Alors on va tenter l'art du commerce, n'est-ce pas? Mais ils veulent rien dans cette ville, c'est pas croyable. Ah bah oui, mais non, c'est naze. Où est la ville la plus proche? Elle est loin. On va aller à la Geta pour voir ce qui se passe, tiens. Salut Super Even! Coucou! Tu viens te perdre dans le coin et voir les aventures... Ah bah voilà, un pillard. Super! Envoyer les troupes, j'ai pas que ça à faire. Quand je disais tu viens te perdre un petit peu, voir comment progresse le clan le plus rejeté de toute la Batanie. Alors tu as trouvé comment le mode BLT? BLT? Ah! Le... Le mode pour mettre sur Twitch. Alors j'ai regardé, j'ai pas tout compris, et pour l'instant je vais continuer tranquillement ma campagne. Bannerlord Twitch, exactement. Je vais continuer tranquillement ma campagne, je pense, et à l'occasion, à l'avenir, je me pencherai un petit peu plus là-dessus. Mais pour l'instant, j'étais sur d'autres projets, donc je t'avoue que j'ai pas pris le temps de me dire alors comment on fait pour s'y coller. Mais ouais, ça a l'air fantastique. Il y a l'air d'avoir des possibilités infinies. Hop là! Alors qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont de... Ah! Trop de choses à la fois! Il va pas compter celui-là si je le... Pour la mission. Ah! J'ai gagné en niveau en ne faisant rien. J'aime beaucoup ce jeu. Hop! La classe Berserker, c'est cheaté. Bah oui, du coup, évidemment. Si quand tu tapes, tu récupères de la vie. Oh là là, scandaleux. C'est bien ça, hein. Un niveau en quoi? Ah oui, en niveau général. Alors. Ah ben on va prendre de la tactique quand même. Hein. Allez hop! Je disais donc, qu'est-ce qui se passe ici? D'aide avec les brigands. Ouais, mais je suis déjà en mission, monsieur. Et oui, cela, ça compte pas pour la mission. C'est dommage. Bon. Allons à la Geta.
On peut tenter ça, mais ça va être chaud. Taverne, il n'y a personne. Très bien, très bien. Commerce. Commerce, commerce. Non. Non. Ah, bah oui, mais je veux le garder, celui-là. Oh! Quel style maintenant! Oh là 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 là. J'ai rien du tout comme matériel. Hop! Vendez-moi tout, tout ce rebut. Ça fait 1225, ce qui n'est pas rien. Je prends. L'arène, un tournoi. Oh là là. Combat de groupe au corps à corps. C'est gagné. C'est surtout imperdable. Gantelet de plate, c'est intéressant ça. Alors, je suis rouge. Attendez, ne partez pas si vite. Oh, ce type est dingue. Mais qu'est-ce que je fais? Hey. Voilà. Mais non, mais pas tout seul, Jean-Michel. Ça y est, je suis foutu. Ah! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il faisait le dab. Il posait en dab le type, quoi. Voilà. Eh ben. Mais. Ah. Je suis rouge à nouveau. Attends, attends, copain. Pars pas combien de tabanards? Ah. Ah. Oula. Tiens, tapez-lui dans le dos, s'il vous plaît. Voilà, parfait. Oula. Pareil. Ouh, double kill. Excellent. Morinon le boucher. Ah mince, désolé copain. Bon, là, je me sens en forme. Ah, c'est à deux encore. Vas-y, prends l'aggro, hein. Mais qu'est-ce que je fais? Oh, le double kill. Morinon le boucher, encore une fois. Bah, désolé, hein. Hop là. Rejoindre. Et voilà. Parfait. Pas de tourpeau, quand même, hein. Les gantelets de plate. Eh bien, on va aller voir ça immédiatement. Là. Là. Oh oui, 22. Ça y est. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux. Maintenant, on a des gantelets. D'accord. C'était tout. Parfait. Alors, on est à combien, là? 4 à distance, 1 archer à cheval. Super. 28 infanterie, 10 cavalerie. Ouais, il faut peut-être étoffer un peu le distanciel. Ouais, c'est pas ça que je voulais faire. Ça, ça. Et c'est bon. Du bois. Ouais, mais des chevaux, du bois, de l'argent. Bref, des missions, quoi. D'ailleurs, en parlant de missions. Ah oui, capturé par les chasseurs de primes. C'est par où? C'est par là. Let's go. Est-ce que je suis bien équipé? Pas du tout. C'est mieux. On va attendre la nuit. De toute façon, c'est obligatoire. Hop là. Petite sauvegarde du plaisir, parce que sait-on jamais. Et attaquade. Oui, il est bien comme ça.
Ah bon? Bah allons-y. Ah, on va s'approcher. Ils sont trois, hein. Je suis très près. C'est foutu. Hop là. Non, il est passé devant son coup. Allez. Mais tu m'ignores. Mais il m'ignore. Incroyable. Sauf lui. Mais ah ben voilà, ils font demi-tour. Au secours. Bon, vous venez quand vous voulez, hein. J'ai plus de bouclier, bande de tartiflettes au gingembre. Bon bah allez-y, foncez comme des débiles. Oh. La déception est grande quand même. Ah, je participe au combat. Mais comment je vais-je survivre à la fin du machin là, si j'ai plus de bouclier? Je peux pas récupérer un bouclier? Non, je peux m'asseoir sur un banc. Super! Et celui qu'on vient de... Voilà, il a tout sauf un bouclier. J'adore. Oh! Cette esquive du dernier moment, je suis pas d'accord, le jeu triche. Hein. Ah bah ils viennent du bout du monde, hein. Oh, il s'est baissé au dernier moment, quel petit coquin. Voilà, là t'es moins coquin. Dépêche-toi quand même. Bouclier. Mais non, ils sont tous avec des cailloux. Oh. Au niveau 2, mes ennemis reçoivent 50% de mes dégâts. Quand ils se protègent au bouclier. Ah oui, non, mais... où est le plaisir? Non, évidemment, oui, ça doit être un plaisir de te balader dans les rangs ennemis en faisant des grands moulinets et en sachant que quoi qu'il se passe, bah toi t'es peinard. Allez, on va faire de l'exercice au tir lointain. C'est loupé. C'est gagné. C'est loupé. C'est gagné. Allez, en avant les copains, parce que là... Ok. Ok. En gros, mes coups sont 50% imbloquables. Ouais, ouais, c'est bien ce que j'ai compris. C'est que dans tous les cas, ils s'en prennent plein la poire, quoi. Et personne n'a de bouclier dans ce pays, mais oh, bande de barbares. Attendez. Il est où? Ils sont où? La capture d'écran. Oh, mais j'ai fait une capture d'écran sans le vouloir. Allez, sniper. Hop là. Oh, pas mal. Dans l'épaule. Dans l'autre épaule. Hop là. Je reste stoïque. Ouh. Ouh là. Je vais mourir contre un habitant qui me jette des cailloux. Mais au secours, les gars. Oh là là, c'est foutu. Et 80% de chance que ses potes derrière reçoivent mes coups bonus. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, là, c'est cheaté, en effet. Non, pas de duel, j'ai pas de bouclier. Attendez, je me... Voilà, restez bien là. Parfait. Ah, bah loupé. Et du coup, avec un personnage et plus de vie, d'accord. Et avec un personnage... Arrêtez de hurler.
Et avec un personnage comme ça, t'arrives à finir le jeu? Boum. Allez hop, des stagiaires de grande qualité. Y a des choses intéressantes ou c'est juste de l'arnaque ça? Oui. Oui, certes. Onze-trois-un, incroyable. Ah oui, ce petit style. 5, nul. Hop là, hop là. Tac, 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 tac. 15. Hop là. Et des vivres. Je prends. Ah bah du bois. Ouais, mais j'ai pas de place, c'est ça. Ah, un niveau. Il est où? Il est là, en arc. Bah évidemment. Voilà. Donc, réduit votre perte de précision suite à une rotation ou augmente la vitesse de rechargement, la perte de précision. C'est plus un personnage, c'est un monstre. Oui, c'est ça, c'est que en fait, t'as plus de défis dans le jeu après. Si? Parce que là, ce qui me plaît beaucoup, c'est que même si t'as des actions qui sont méga répétitives, tu vas t'attaquer à une centaine de camps de bandits, tu vas faire des sièges, des batailles, etc. Parfois, tu vas avoir les mêmes conformations, comme le dernier camp dans lequel j'étais, et je suis passé à deux doigts de la catastrophe. C'est la première fois que mon bouclier se fait péter. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté très surprenant du jeu. Tu revis les mêmes situations, mais ça ne se finit jamais de la même manière, même... Même si t'as un personnage qui est de qualité, il peut se prendre un mauvais coup et allez, bye bye quoi. Ciao les potes. Ok. Qu'est-ce qu'il veut? Des animaux de trait. Oh. Et est-ce qu'on peut acheter du bois? Style. Attends, c'est un endroit qui produit du bois et ça vaut 18? Ah bah t'avais raison hein. Mince, il est plus là peut-être. Je crois que c'était AQ qui me disait que la batanie, le bois était pas cher. En effet, il était à 5 là-bas. Et là, il est à 18. Scandaleux! Retour en batanie pour acheter du bois. En gros, niveau 275 en athlétisme, avec 25% de mes dégâts, je me soigne, plus j'augmente ma vie max. Oh bah oui, mais là, il n'y a plus de limite. Et t'es mort avec ce perso? Enfin, t'as la version 1.7.2 toi aussi et du coup t'es mort ou c'est le perso qui meurt pas même si l'option mort possible est activée? Du bois. Ben, on va aller en ville. Il est bizarre ce territoire avec les montagnes. Il faut faire des tours et des détours. J'aime bien. Regarde niveau 275 en athlétisme, tout à fait. Coup surpuissant. Les ennemis qui bloquent vos attaques sont étourdis plus longtemps, d'accord. Chaque point de compétence après 250 vous octroie plus un point de vie. Chaque point de compétence après 250 vous octroie un point de vie. Incroyable. Et du coup, est-ce que ça marche la technique de t'es en bataille et à la fin de la bataille, tu tournes en rond comme ça sur toi-même? Pour faire monter l'athlétisme. Ça fonctionne ou pas? D'accord. Bah ben moi, j'ai pas choisi de développer athlète, apparemment. Hein. Moi, je suis plutôt sur équitation. Ça donne quoi au niveau 275? Augmente vos dégâts de charge et vos manœuvres de plus 1 tous les 10 points de compétence après 200. Ah oui, c'est moins... C'est moins sexy, tout d'un coup. Non, ça marche pas. Ah, oh, je suis déçu. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va à Marunat. Non, les stagiaires! Les stagiaires d'abord. C'était où? C'était là? Oui! Alors, la promotion de la semaine. Est-ce que j'en ai assez d'ailleurs? Ah non, j'en ai que 16. Mince. Attendez! Ah ben non, c'est fini, cette quête aussi. On va tourner un petit peu. Peut-être qu'il y aura de nouveaux stagiaires dans le coin.
Si tu trouves des jeunes aristocrates bataniens, faut les recruter à coup sûr. Alors, les jeunes aristocrates bataniens. Jub, tout à fait. C'est au singulier, je suppose. Ah. Oui, c'est sûr qu'ensuite, un champion avec 260 à l'arc... Ah, mais même, ils partent... Ah, mais non, ils partent tranquille. D'accord. Ok, bah, j'essaierai de me concentrer dessus. Moi, je voulais faire une nation de forestiers, mais ça a l'air compliqué pour l'instant. Ils sont où, mes forestiers? J'en ai même pas, je suis sûr. Ah. Bon, bah, c'est mal barré pour faire une nation de forestiers. J'en ai pas le début d'un seul. Mais je ne désespère pas. Voilà, désespère pas. Regarde équipement. Attends. De quoi, dans l'encyclopédie, tu veux dire? Non, équipement. Qu'est-ce que tu veux voir dans équipement? On voit pas plus d'équipement. Arc d'éclaireur, flèche barbelée, épée large. Attendez, on va prendre le meilleur. Arc long. Oh. 3 perçants, tout à fait. Oh, il est bien armé, hein. À distance, niveau 6, tout à fait. Ah, il n'y a qu'un ensemble. Oh, désolé. Bref. Commerce. On essaye toujours et encore. Pouf. Ils aiment pas les bijoux, hein, chez les Bataniens. Hein. C'est triste. Non. Ah oui, mais je suis presque à capacité maximale. Ok. Bimamboum, le donjon il veut pas. Arzagos, c'est pour la quête, je m'en fiche. L'arène, on va arrêter de faire des combats de l'arène quand même. Ah, petite mission là-bas. Ah, de l'aide avec les brigands, c'est parfait. Les stagiaires, le retour. Alors, est-ce qu'ils sont dans le coin? Bien sûr que non. C'est sûr, t'as un jeune aristocrate batanien. Ah, dans mon armée. Oui. Il va être vers le bas, je suppose. Là, ici. J'en ai un. Il a une sale gueule, hein, pour l'instant. Non, 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 non. Mais, c'est fini, oui. Il me l'ouvre. Pourquoi il l'ouvre à chaque fois? Avant-garde de Vlandé, tout à fait. Oh. Au niveau 100, prend le bonus expérience pour les troupes à distance. Ah, histoire de les booster encore plus. Et oui, du coup, se spécialiser à mort à distance. Ouais, j'en suis pas encore là. Là, je récupère un petit peu tout ce qui traîne à portée. Hein. Tu vois la composition. Elle est où? Allô? Ouais. On est que 40... on est combien? On est que 42, hein, mais la liste est longue comme le bras. J'ai des paysans. Fantassins vlandais, tout à fait. Légionnaire impérial, quand même, tout en haut. Bref. Jusqu'ici, on n'est pas encore... j'en suis pas encore au stade de me dire, tiens, je vais choisir mes troupes. Ah bah tiens, on va entraîner des troupes de... De Feignassou. Et voilà! Il y a combien d'ailleurs? Ah, mais je peux aller jusqu'à 84. Oui, tiens, au fait. Est-ce que mon investissement était rentable? Pas du tout. La forge rapporte 88. Hein? Au secours. Oui, les troupes gagnent 4 XP par jour. J'ai vu ça, ouais, les bonus, que ça soit sur les armes de corps à corps ou à distance, il y a cette option selon... Enfin bon, il y a possibilité. Oui, oui, ok. Alors les bandits, bon, je sais pas où ils sont. On va faire le tour du lac, tiens. Ah, des pillards. Bonjour, vous aviez rendez-vous? L'agence pour l'emploi est fermée, mais nous faisons la transition, n'est-ce pas? Le glaive, non.
Le gourdin. Oui. Que les troupes à distance uniquement. Mais t'as pas la même chose avec... Là-dedans, t'as pas la même chose à un moment. Il me semblait que j'avais vu ça quelque part. Voilà, les troupes équipées d'un arc. Oui, non, mais qu'est-ce que je raconte? Là-dedans, t'as pas la même chose? Je ne sais plus, il y a beaucoup trop d'options. Faut les toutes les connaître par cœur, c'est scandaleux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque pour essayer de recruter et mourir bêtement? Soldiers! Oui, c'est moi! Infantry! Non mais je... Troops! Voilà. Soldiers in charge! Faites ce que vous voulez, les garçons. Voilà, je me cache et je reparie. Hop là! Oh, c'était mauvais, c'était mauvais! Oh, deux fois mauvais! Trois fois mauvais! Peut-être qu'on ralentit à bout portant. Ah, ils ont une coupe afro, mais j'adore! Et c'était très mauvais! Voilà, pas de fuyard, hein? Ha ha! Qu'est-ce qu'on se marre! Niveau 100 en arbalète. Ah, 4 stagiaires, très bien. Niveau 100 arbalète. Tac. Où est-ce qu'il est niveau 100? Troupe à distance, plus 2 XP par jour. Oui, mais c'est... ils ont des arcs! Non, non, moi je parlais de la même chose, mais pour les troupes à pied. Alors, est-ce que c'est dans l'intendance? Je sais plus. Bon, finira bien par tomber dessus un de ces jours. Est-ce que ça vend à Dune Glanis? Des dates. Super! Je fais des bénéfices avec une date. Ah bah j'ai, si, j'ai le stock à vider quand même. Je l'avais pas vu celle-là. Dans le doute. On verra plus tard. Ah oui, il y avait ça. C'est nul, tout est nul. Allez hop, ça dégage. Parfait. Recruter. Ah ben oui, on est tombé à 49. Un petit escarmoucheur. 50, un chiffre rond, j'aime. Arc, arme de jet ou arbalète gagne 2 XP par tour. Ouais. J'ai vu ça, j'ai vu ça, j'ai vu ça. D'accord, ok, c'est tout à la fois. D'accord, ok. Petite arène, un tournoi, allez, 4 nobles, combat de groupe au corps à corps. Mais c'est à chaque fois la même chose, ça nous aide pas du tout comme description, ça. Ah, le fameux Husnfri, la monture... voilà, je ne sais pas pourquoi ils se sont tapés un délire sur Husnfri. Est-ce que ça a un sens en anglais? Mais du coup, 290 points de vie, c'est pas déconnant. Alors, on y croit, je suis rouge. Ah, c'est perdu. L'arme à deux mains, je ne sais pas faire. Bah heureusement qu'il y a un copain, hein. Victory ! Alors on va pas parier, hein, sur celle-là, parce que l'arme à deux mains... Ah là, je suis tout seul. Donc on va faire la stratégie de courage fuyons. Non, 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 non. Non, monsieur, voyons! Oula! Ouais, d'accord. Mais pourquoi moi je meurs en un coup et... Ah ben non, je suis disqualifié, ouais. Pourquoi je meurs en un coup alors qu'ils s'en prennent deux ou trois, eux? Hein, c'est scandaleux. Compliqué, cet endroit. Je devrais peut-être pas m'installer dans le coin, hein. Je vais jamais remporter un tournoi. Mais en même temps,
Quelle plus belle manière de progresser. Ouf, une Théric le brave. Audacieux, honnête, bon en tout. Vous, vous allez vous faire recruter, je pense. Ah oui, je suis passé à 5 en compagnon. Ah bon? 68 la forge. Mais c'est une forge. Pourquoi on ne se fait pas d'argent? Scandaleux. Alors, quelle est ton histoire, mon petit gars? Attendez, je vois un coup. Mais je doute que tu la trouves intéressante. Comment ça? Je suis né hors mariage. Mon père m'a ramené à la maison. Mais il était hors de question que j'hérite de quoi que ce soit un jour. Je ne voulais pas être un fardeau pour mes frères. Alors, j'ai décidé d'aller à la guerre. Mes voisins devaient justement envoyer un des leurs pour la levée du roi. Aucun d'entre eux ne voulait partir, alors j'ai proposé d'y aller en leur nom. Ils m'ont donné une épée, un pourpoint et un cheval, et c'est ainsi que je suis devenu un guerrier. D'accord. Le mec a été premier dans un concours de circonstances, quoi. Lors de ma première bataille, nous nous sommes retrouvés poursuivis par une cavalerie impériale deux fois supérieure en nombre. Il fallait qu'un homme reste derrière pour tenir un guet afin que les autres puissent s'enfuir. Les autres avaient des familles, alors j'ai choisi de rester, car personne n'allait pleurer ma disparition. Ah ouais, même un peu dépressif sur les bords, là. Votre dévouement envers vos camarades est admirable, d'accord. J'ai combattu du mieux que j'ai pu, mais les forces impériales m'ont fait prisonnier. Lorsqu'ils ont découvert que personne n'allait payer de rançon pour moi, ils m'ont libéré en me faisant promettre de les payer plus tard. Ah, j'adore. C'était noble de leur part, alors je n'ai d'autre choix que de tenir parole et d'obtenir cet argent. Pour l'instant, je cherche du travail. Très bien. 471, ben bienvenue, mon garçon, une Théric. Donc, on a dit... Une main, Ast, Équitation. Parfait. Une main, Ast, Équitation. Un petit cheval. Un petit harnais. Une main, Ast, bah, il a une épée qui tient bien. Un bouclier, ça sera pas du luxe. Ast, allez. On va te mettre un gourdin, tiens, pour recruter des stagiaires. Parfait. Ah, par contre, niveau équipement, on va être un peu ledge. Hein. Va falloir... Oui, il y a ça, quand même. Ah bah oui, mais il n'est pas difficile, en fait. Une petite écharpe. Oh là là, il est complet. Oh là, ce bédouin, il est magnifique. Très bien. Du coup, on va peut-être commencer à envoyer des hommes en mission à notre place. Hein, parce que... Non, c'est la dèche. J'ai rien dit. Où suis-je? Groupe. Hop, intendant. Niasen. D'accord, donc on va faire... Hein, moi en reconnaissance? Oui, mais il n'y a personne d'autre qui est... Ah bah non, le taux de guérison, c'est important, quand même. Donc Niasen, lui c'est qui? Morgnon, alors le boucher, l'érudit, le boucher et mon frère ne bouge pas. C'est-à-dire que... C'est mon frère, hein? Ouais. C'est-à-dire que long couteau, qu'est-ce qu'elle sait faire elle? Rien, très bien. Pourquoi je l'ai prise? Oui, pour de diriger les troupes, ça y est, je me souviens. Donc une Théric le brave, techniquement, vu qu'il est assez doué, on peut l'envoyer en mission. Il faut surtout pas envoyer le boucher, l'érudit et mon frère. Voilà, c'est tout. Jusqu'ici, ça se tient. Qu'est-ce que c'était là? Ah ben non, c'est le donjon. Sans déconner, ça fait combien d'années qu'ils n'ont pas déclaré la guerre, là, le royaume de machin? Ils sont pas en guerre. Ils sont pas en guerre. Jamais. L'art du commerce. Avec quel produit, monsieur? Les céréales. 119. Oui, mais... Mais je peux pas transporter tout ça, moi. Ça fait 1000 tonnes. Ça fait une tonne. Ah, quoique. 119, ça fait 1119. 1190.
119 190, oui, c'est ça. Donc 3700, 3800 et des patates. Oh. Allez, je prends. Il est où? Tipiripipiri. Alors tu m'as dit quand je tombe sur ça là, il faut que je prenne. Hein. Alors je prends. Écoutez. Carbone 7, ça vend. Obligatoirement, ça vend là-bas, non? Ouais. Urien le brasseur, non merci. Commerce. Évidemment, les céréales, ils en ont pas besoin. Hein. Ils crèvent pas la dalle. Hein. Ils ont besoin de rien, en théorie. Très embêtant, ça. Je sais plus combien je l'ai acheté. Il faut vendre le prix normal, alors. Ok, d'accord, c'est le début du commerce. On va pas chercher à faire des gros profits. Les outils, je garde pour les missions. L'argent, c'est pas cher. Il faut... Le lin, tiens, vidons-nous. Voilà, vidons-nous les poches de lin. Et céréales, c'est pas cher. Bon, allez, hop. L'arène, non. Le taverne, personne. Ah oui, j'avais une mission de stagiaire, j'ai oublié. Ah, 7 jours. Combien j'ai de stagiaires? 20, hein. J'avais une mission de brigand. J'ai plein de missions, mais je fais rien du tout. Bravo. C'est où? À Dalmingus. C'est à l'autre bout du monde. Oh. Faisons le tour du lac. En nous baladant. Oh, c'est beau. Non! Des stagiaires! Faut que j'arrête de faire la vue immersive. Mais c'est qu'ils courent vite! Heureusement qu'ils s'arrêtent. Voilà. Allez, 3 stagiaires de plus, ça fait 23. C'est parfait, on peut les refourguer. Des augmentations. Oui. Qu'est-ce que je fais? Je suis d'humeur généreuse. On va acheter du fromage et du beurre et ça coûte 1 200 $ avec un cheval. Mais au moins, on va pouvoir augmenter. Ah, c'est des chevaux normaux qu'il me faut? Que j'ai un malus de troupeau? Pas du tout. Eh bien, on va acheter des mules et des trucs et des machins. On va pouvoir commercer sérieusement. Parce que là, je suis timide. Qu'est-ce que je voulais? Ça. Ça. Voilà. Non, mais la cavalerie, c'est la vie. On a combien maintenant en composition? 17 cavaliers, 29 hommes à pied, un archer à cheval et 6 à distance. Oui, en effet, la distance mériterait d'être étoffée. Moi, il n'y a pas de distance là. Pas grave, prochaine fois. Petite mission peut-être dans le truc du bois. En doom! Qu'est-ce qu'il veut? Des animaux de trait. Vous me fatiguez, monsieur, avec vos animaux de trait. Je n'en puis plus. Des pillards. Oui, 5 pillards. Allez, let's go. Mince. Disparition ninja. Ils font ça, eux aussi. Voilà, c'est bon. Ils sont accrochés. Oui, c'est bon. Ils se rendent. J'adore. Parfait. Oui!
Bon, on va faire cela en même temps, ils ont l'air. Non, c'est bon. Oula, calmez-vous. Et maintenant, il y en a partout. Oh, qui c'est qui voulait la mission, là, de... Les travailleurs, c'était à Afkafal. Afkafal, c'est où? Ah oui, c'est à l'autre bout du monde. Let's go. $29. J'ai plus de place, évidemment, dans mes stagiaires. Si. Let's go. Boum. Ah oui, mais on a une association avec un autre groupe. 110 contre 29. Ah bah oui, on va attaquer. Ce serait temps de se faire un siège un de ces jours, là, quand même. Une petite bataille, là. Oui. Tout le monde, faites ce que vous voulez. Du coup, est-ce que ça vous vaudrait pas le coup de prêter allégeance à un autre empire pour ensuite se barrer? J'en sais rien. Les Bataniens, ça marche pas des masses. En tout cas, dans cette partie, je trouve. Ils veulent rien savoir. Alors, des stagiaires, hein, essayez de recruter à fond. Je fais n'importe quoi, ça ne marche pas. Celui-là, il est à moi. Loupé! Laissez-le moi. Oh là là. Oh, il y avait une hache plantée là. Oh, c'est génial. Ah ben, ah si, elle est encore là. Ah mais je peux la prendre. Incroyable. Mais, monsieur, laissez-moi observer une hache. D'accord. On va faire un peu de botanique, hein. Qu'est-ce que c'est que cet arbuste? C'est marrant, ça, en 2D. Oh, la finesse de ce rameau en deux dimensions. Alors que les arbres sont en 3D, les arbustes sont en 2D. Oui, bon, arrêtez de hurler. Une fatigue. C'est là qu'on sent la différence entre le soldat de base et celui amené à régner, n'est-ce pas? Hop là! Allons négocier la reconversion professionnelle de ces stagiaires. Et si possible... Ah, ça va pas valoir grand-chose. On va voir. On lui fait du 28 à la 13aine. Pas mal. 4000 dollars. Oh, ça, c'est du stagiaire bien investi, ça. Ah, ça respire un peu. Alors, commerce. On va laisser au nom. Ah mince, j'aurais pu faire le repère. Non, c'était la fin de la nuit. D'accord, c'est pas grave. On va laisser au nom pour tester la théorie commerciale qui veut que si j'achète du fer et du bois, vu que j'ai une forge, ça va bien se vendre. L'art du commerce. Très bien, bonjour. Qu'est-ce que vous voulez? Du lin. Oui, j'achète. J'achète. Et eux, là-bas, ils veulent quoi? L'aide avec les brigands. Pff. Tout de suite, là? Non, j'ai pas envie. Tant pis. Du coup, évidemment. Qu'est-ce que je vends? Du lin brut, c'est pas ici, c'est pas bien, là. Du vin, à la limite. Poterie, fourrure, minerai d'argent, bijoux. J'obtiens 2752. Oh. C'est séduisant. Qu'est-ce qu'on peut acheter ici? Qu'est-ce qui est intéressant d'acheter ici? Ah ouais, le bois, il est à 5, là. Bon.
Allez, des outils. Non, 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 de la bière, c'est cher. Fromage, pas cher le fromage. La viande, pas cher. Si, cher, d'accord. Ok. En plus, ça fait de la diversité. Non, la variété culinaire, c'est la dèche, super. Pas le donjon, l'arène, le tournoi. Ah, combat au corps à corps, 7 nobles, c'est foutu. Mais on va essayer. On a en groupe, je suis rouge. Et c'est l'arme à deux mains encore une fois. On va vers où? Mais je suis nu! Oh! Oh là là, ben oui, d'accord. Oh là 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 là! Die, you bastard! Peut-être que je suis qualifié? Non. Il me fallait du bois, c'est ça. Mais je vais peut-être arrêter de dépenser à tout va. Quoique. Quoique, dépenser, c'est la vie. En plus, c'est pas cher. Oula, oula, oula. Attendez. Partir. Il y a du bois juste à côté. Il y a peut-être une mission. On va aller voir. Quelle heure est-il d'ailleurs dans la vraie vie? 23h. Bah, il est plus cher qu'à la ville ici. C'est bien normal. Voilà, on en prend 20. Bah du coup on va aller se... Est-ce qu'on va se pervertir auprès d'un autre empire pour faire du travail de mercenariat et vivre des choses fantastiques? On va voir. On va voir. Pour l'instant, je vais faire une petite pause nature parce que la nature revient au galop, n'est-ce pas si vous... Hein, petite pause nature, qu'est-ce qu'on va faire?